Hello tout le monde. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Plus bon réveil. Ah ouais. Ça tue. Ils sont contents. Qu'est-ce que vous avez? On fait de la neige. Ça fait 8 ans quoi? Qu'on n'a pas vu de la neige. Mais attends, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Mais... J'en ai marre de lui. Après, elle a fait du bonhomme blanc. Du après, moment. On fait un bonhomme de neige avec quoi? La stapule. Hein? La quoi? La stapule. La quoi? La stapule. Stapule. Le truc noir là. Alors, soit une pelle, soit une spatule. Mais il n'y a pas de stapule. Stapule. J'arrive pas à le dire. Stapule. La spatule. Stapule. Spatule. Spatule. Voilà! Mission bonhomme de neige. On a préparé le socle. On va le faire ici. C'est ce carré, Laurie, qu'on va faire? Ouais, c'est carré. Tout ce carré. Eh ben. On va mettre toute la journée, 3 jours. Bon, avec un peu de neige, on va essayer de faire un bonhomme de neige. Même si on en a un beau de là. Il est beau, lui. Bonhomme de neige? Bonhomme de neige? Ouais. Pas que t'es aussi long. Ah ben là. Noré? Noré? Noré le bébé? Non, le bébé. Hein? Tu vas lui faire quoi, ton bonhomme de neige d'original? Il va être une manette de play à la main. Bonhomme de neige avec sa mère. De la bombe. Ah, c'est quand la dernière fois que tu as fait un bonhomme de neige? J'avais 13 ans. Je crois qu'il y a toute la famille qui s'y est mise. Elle est là, Camilla. Je vous filme. Je vous snap. Ah, eh ben refaites! Eh ben refaites! Non, non! Noré! Non! Oh, je suis en pantoufle! Regardez comment je suis! Non, Noré, arrête! Arrête! Voilà, il allait m'avoir, bien fait! T'as vu la vidéo que tu t'es hein? Non, j'ai pas vu. Aïe! De la bombe! Ma mère et ma belle-mère, regardez! Mort de rire! De la bombe! Aïe, non, Noré, à qui tu vas faire ça? Aïe! Il est malade! Attends, vous voyez, il y a peu de neige, c'est pas comme si on avait une tonne. Mais on trouve le moyen. Bon, moi, je suis ici avec mon fils. Mais après, je crois que je vais lui mettre sa petite combinaison à lui aussi. Ah, il y a le traître! Le traître! Non, mais tu mourras pas, cherche pas. Hein. Merci, ma nièce, merci. Merci, ma chérie. Voilà. Ils y mettent tous du cœur, hein? On est d'accord. Kéké? Vas-y. Gars, tu nous amènes la neige? Ah, il faut lui trouver un nom à ce bonhomme de neige. Hein. Il faut lui trouver un prénom. Hein. Bonhomme de neige. Mon fils. Ah ouais, j'ai mis sa combi. Mon bébé. La carotte, les yeux, deux avocats. Attends, attends, je passe au-dessus. Regarde, attends, je mets au-dessus. Chemin, il a bien avancé, il est magnifique leur bonhomme, hein. Trop beau. Maintenant ils vont le déguiser, les bras, le nez, ils vont lui mettre des cheveux. Tout à l'heure vous allez lui faire quoi comme chapeau? Imagine, non, ce sera des cheveux. Noré, c'est toi qui t'occupes de la coiffure? Ça tue.
Et vraiment, je vous jure, regardez, avec peu de neige, ils ont réussi à faire ça. Mon bébé, il est équipé, mon amour. Mon bébé, avec ta combi. Ça y est, on l'a vu, le petit bonnet, il a tout. Il a tout, mon fils. Allez, viens. Viens, on va voir papa, et tonton, et mémé, et tout le monde. Des gaines de maison. Bon, moi, je vais les rejoindre un petit peu. Et ça va, il me tient chaud, mon peignoir. Il est trop beau, leur bonhomme de neige. Franchement, il est magnifique. Ah, il est beau. Il tue. Tacos à la montagne. Moi j'ai trop de tacos. Vas-y. Yeah papa, c'est bon, lève-toi. Je peux pas. C'est trop de crêpes. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ça. C'est pas toi qui joue, il est le champion qui va perdre. Petit se balade dans le centre-ville. Le temps d'aller où il y a la neige. Regardez le Mont Blanc. Magnifique, hein? Mon bébé, il est tout sage. Les gars, regardez! Ça y est! On est à la neige! Je suis trop contente! Enfin, de la neige de partout! Même Kenan, il est dans la neige! Sportif du dimanche. J'allais dire les, mais Nono, il est plus sportif que moi. On est en train de monter, là. Faire la luge. Ah, c'est chaud ou pas? Franchement, je devrais vraiment me mettre au sport. C'est dans ce moment-là que je me dis, je suis une batata. Plus d'oxygène alors que ça fait 5 minutes que je marche. Ici en haut, on a nos neveux qui vont dévaler la piste. Et ici, on a Noré et Kaina qui vont les caillasser, les pauvres. Nori, il a fait un ravitaillement de boules de neige, regardez. Pour les caillasser. Nono, ouais. Tu te trouves pas un peu méchant sur ce coup? Allez, on filme! Aïe! Merde, t'as pas entendu! Ils vont me faire rire, je sens. Moi aussi, tu es dans le coup, Kainouz. Deux, même pas qu'une, j'en ai fait deux. Allez, Noré! Allez, Noré! Allez! Allez, Yanis! Yanis, ça y est, il a freiné! Il n'y a que nous.
Bon, moi j'allais à 2 à l'heure quand je suis descendue. Ils sont fous. On veut de la pente, mec. Eh ben vas-y, marche. On t'attend en bas. Pourquoi tu as pris deux luges? Une par fesse ou quoi? Là j'en ai une. Là j'en ai une. Ok. Voilà. Allez. C'est parti. T'as pas de la ventoline, mec. Quoi? T'as pas de la ventoline, mec. Il avance pas. Nous sommes en plein reportage sur les pingouins d'Alaska. Ce jeune pingouin, ici, a décidé de faire une bande à part. Ils étaient partis en quête de chasse. Son jeune frère le rejoint aussitôt pour jouer. Poussette, elle est tout terrain, même dans la neige. Call me Mr. Pinhead, that top model came to you every day. Less than normal, more than a few.